Nous disons grand bonsoir, bonsoir mes chéris, bonsoir tous les amis Michou. Je veux dire, c'est Michou qui entre dans le canal juste pour partager une nouvelle vidéo ensemble avec nous. Pendant que je continue à dire un grand merci avec tous nos abonnés, nous, ou la caille ou mettre à l'aise, et ou même qui sont anciens abonnés, nous disons un grand merci pour la façon que vous avez aidé nous. En partager en recette ou même qui toujours là cap commenter cap like cap encourager nous un grand merci à vous mes chéris. Je dis en qui vidéo que moi pral présenter ensemble avec nous nous pral faire un bon gratiné. Qui gratiné que moi pral faire un gratiné de pommes de terre. Nous connaissons gratiné macaroni et bien je dis à m'apporter un gratiné de pommes de terre. Nous parlons dans la façon, pas moi-même personnellement, que moi faire. Ça arrive, c'est pas comme ça que vous faites, mais moi-même dans la façon, pas en aller comment que moi faire. Qui ça que nous avons besoin, juste pour nous capables de faire gratiner pommes de terre, ça. Moi, je vais laver pommes de terre, moi bouillir. Moi, juste mettre là pour nous capables de frais après ça pour moi caler. Je prends 4 belles graines pommes de terre. Et puis, ça c'est pour pommes de terre. Là. Et puis, ça c'est bien moulin, pas non. Moi, je vais laver là. C'est si vous voulez laver bien moi parce que on est gain pile monde qui toujours a dit yo pas laver bien moulin yo pas moi même moi toujours laver raison fait me laver non seulement pour capable retirer moi même personnellement pour retirer conserve là pour me retirer sans et vie avec pandémie en tout ou obligé laver tout ça qui parle là ventre mes chéris et surtout avec côté acheter là façon que ou cap ou faire mon confiance ou que doit pas laver moi même moi laver pas non. Après ça, moi gagne deux belles qui est épices blendées. Épices là, c'est épices que moi fais moi-même. Après ça, ça c'est poivron. Moi gagne trois qualités de poivron. Moi gagne ouais ça c'est un olive, moi gagne dans l'ail, moi gagne persil, moi gagne tomate et puis moi gagne oignon, moi gagne piment piqué, c'est tout ça moi pral besoin juste pour me capable préparer fast. Et puis ça c'est ensemble des sauces que moi utiliser. En molle juste pour moi capable épicer viande moi. Là on épicer viande moi ou même capable mettre tout ça que vous pensez qui pral faire le goût. Parfois seulement ça que moi mettre et puis tout ou même ou pral mettre. Non, c'est ça que vous mangez ou mettre. Pour ça c'est viande moi. Ça qu'arrive ou épicer viande pendant que le sous fait, ça qu'arrive ou épicer à terre et puis juste ou mettre le reposer. Ma épicer pas maintenant et puis ma mettre le reposer pour environ quelques minutes comme ça pour épicer lui même capable bien entrer dans viande là. Moi mettre épices blendé maintenant. Si toutefois ou vous voulez ouais comment que moi fait épices soit capable de venir sur channel moi surtout les de channel yo. Ça c'est ensemble de en pot épices que moi manger. Les gens là dans les gens ont poivre, les gens ont paprika, les gens ont un pot de laurier et puis ça c'est un caldo de galéa. Moi mettre. Et puis ça c'est une sauce anglaise, c'est ce que ou manger le ca mettre. Moi gain ça c'est un pot on de persil. Ou ca mettre persil fraîche là même, c'est ou voulez gain poudre là ou ca utiliser. Ça c'est moutarde, c'est si toutefois on mange moutarde. Et puis ça c'est une autre sauce salade que moi toujours utiliser qui est vraiment goût. Et puis m'a fait mélange là. OK, l'aime fin fait tout mélanger puis ça avec viande, m'a mettre un petit morceau citron juste pour capable balayer acide. Pour la qui ça que moi pral faire, m'a juste mettre le reposer pour quelques minutes après, m'a retourner juste pour nous capable préparer face. OK ma chérie, pour la m'te content quitter viande moi en reposer, moi saute prendre pour la nous pral préparer face. Et moi pas mettre l'huile là pas maintenant, m'a juste faire ensemble avec Bennett. Parce que viennent dans l'huile, il va faire un peu de graisse et puis le fromage, je vais l'utiliser, on est riche en huile. Ça veut dire que ma juste en y mettre beurre. Si vous voulez, vous êtes capable de toujours mettre un petit l'huile sur ici. Là que je vais aspirer, le beurre est fini. Vous pouvez ajouter tous les ingrédients que je vais racheter. Quitter, poivron rouge. Ou ka mette poivron ke ou blèm de gen rouge, mwen de gen vert, mwen de gen jaune. Ma mette zonyon, mwen de gen zonyon mauve, et puis mwen de gen zonyon blanc. Mwen konseye nou konsome zonyon mauve la, parce que li
riche en vitamines. Et puis ça c'est tomate, persil et puis moi te gagne un petit olive et puis moi te gagne dans l'ail râpé. On juste mettre tout. Et puis tout ça que m'a fait, m'a quitté son petit fruit, après m'a ajouté bien moyen. Même là nous aime beaucoup mettre sel, m'a mettre sel en l'aime que moi mettre bien là. OK, m'a mettre tout. OK, mes chéris, j'ai que nous là, nous yo commencer bien la gepolo. Là la qui ça que moi venir pour faire, m'a venir juste pour moi ajouter bien moyen moi mettre reposer. Je nous ai là et puis ça, j'entends bien en tout en dedans. Il y a la marque de mélange là. Nous connaissons bien la même, il va faire deux systèmes qui étaient la ville et puis moi juste fais mes viandes qui cuit tout. Je vais mélanger avec ça. Quand je quitte le bruit, pour que l'eau soit capable de sécher. Mais je vais tout ajouter, tout ça que moi j'ai ajouté là-dedans et puis je vais quitter le bruit. Là, je vais mettre la sèche. Et puis, je vais montrer. Je vais ajouter un petit sel. Je vais ajouter un petit moelleux de tomate. Et bien, pas un pâte de tomate. C'est un type de sauce tomate. Je vais des moelleux de tomate. C'est tout le monde qui. Bon, capable de connaître. Tout le monde qui est brésilien connaît ça bien. Et puis, je vais ajouter un petit crème cheese là, de façon à ce que juste pour être capable de faire un bon goût. C'est ça que je me dis, nous, on a fait, c'est tout ça, nous, on a fait le goût, juste pour nous mettre, pas forcément ça que je mette là, pour mettre, et puis, je vais mélanger. Si je mette besoin de rouge, parce que je mets un rouge, je suis capable de dire, je ne mets pas de tomate. Même pas besoin de une couleur qui est trop foncée, et ça, je ne mets pas de tomate, je mets mon lieu de tomate là. OK, on y a la m'a quitté le bruit, non seulement pour venir dans le et plutôt pour être capable, l'eau capable de sécher. OK, mes chéris, on y a là, viens moi m'a gâte fini faire, juste mettre le fret et puis moi pencher le nous carré boy ici là. Moi pencher juste pour l'huile là capable sortir là. On y a là moi pour préparer sauce béchamel là. Moi descendre volume petit feu vraiment bas juste pour moi capable préparer un petit sauce béchamel tout petit. M'a mettre un petit beurre. Et puis m'a ajouté ça que moi j'ai racheté qui gagne des oignons, il gagne un poivron, il gagne dans l'ail. M'a mis dedans dans les mais m'a dit parce que hier m'a quitté pour les molles. M'a mis un bon magi pour manger magi. Je vais mettre tout un peu de magie, je vais juste mettre un bon. Parce que je vais faire un fil. Là tout, je ne vais pas ajouter sel. Parce que magie a fait du sel. Et puis, nous allons mettre le fromage là-dedans. Ok, les mains qui te ça fini un peu molle. Quand il y en a qui ça que je vais faire, je vais ajouter farine moyen. Nous allons mélanger les sommes capables qui te farine bien bien cuite. Ok, là que moi assuré que farine moi en cuite, m'a juste ajouter lait là. Fais en sorte que l'on fait sauce béchamel pour descendre le volume du feu pour farine dans lui-même n'est pas brûlé. M'a pas ajouté lait là pour rien. M'a fait un peu. Ok, m'a mélanger. Pour la finale, j'ai des plans qui sont que je vais mettre là-dedans. Je vais mettre un petit sauce pour ne pas battre le goût. On va ajouter un petit persil à l'eau. Et puis, je vais ajouter un petit poivre. Si vous avez un poivre blanc, vous pouvez le mettre.
m'a pas ajouté un petit cheese, un petit crème cheese. Ça serait vraiment bon, mes chéris. Voilà, il y a le bruit. Ok, mes chéris, mes gars, t'as goûté, moi, je n'ai pas manqué rien. Moi, j'ai ajouté un petit piment, si toutefois, vous mangez piment. Et puis, ça que moi, a fait, m'a pas ajouté un petit fromage là-dedans. C'est déjà que nous, là, il est vraiment goût, il a un bon goût. Et puis, censé prêt. On a nos bras passés juste pour nous capables de faire montage là. Ok mes chéris, moi fin préparer tout bagaille. Nous est là, ça c'est sauce béchamel là, ça c'est face. Nous voyons comment face là, il sorti bien belle. Et j'en nous est belle là, c'est comme ça que des goûts. Et puis ça c'est fromage. Ça c'est pomme de terre là, moi t'es content pesé. Moi t'es content, toutefois pas gagner presse. Ou capable. Utilisez n'importe ça que vous gagnez juste pour capable peser pomme de terre. Si vous ne pouvez pas peser pomme de terre, vous êtes capable de couper un petit détour juste pour capable faire montage là. Maintenant, je vais presser pomme de terre. Je vais juste prendre un Pyrex et puis juste pour capable faire montage là. Maintenant, la question que je vais faire, je vais mettre une couche pomme de terre. Oui, Seigneur. Je vais mettre un peu. Je vais mettre une couche de pommes de terre. Et puis, je vais étaler bien en forme. Non? Ok, là que je vais étaler les pommes de terre là en bas, il y en a qui sont que je vais faire. Je vais ajouter viande. Je vais mettre viande. Je vais ranger bien en forme. Non? Et puis, je vais ajouter sauce béchamel blanc. Je vais attendre qu'on n'aimerait pas utiliser tout. Ok, je vais ajouter sauce béchamel blanc. Je vais mettre mes fromages. En l'air. Le fromage là, est bien crémoso. Et puis, qui ça que moi a fait, m'a mis l'autre couche pomme de terre. Ok, mes chéris, j'en que nous là, moi fin arrangé dans Pyrex, bien arrangé, bien belle. Et puis, pour finir, avant que moi al mette l'enfou, et puis, m'a simé fromage en l'air. Je vais dorer avec fromage. Je vais le mettre dans le four là, je vais le chauffer le four là. Je vais le mettre pour environ 25 à 30 minutes, mes chéris. Ok, mes chéris, moi juste venez juste pour me capable montrer nos résultats gratiné pommes de terre. Moi, j'ai que nous elle quitte le prend une belle couleur. Moi, je suis capable de quitter le plus blanc, je suis capable de quitter le plus doré. Ça va dépendre des façons qu'il aurait maintenant. Noël, il est bien belle et puis il est senti bon. Moi, juste couper et puis tout juste pour me capable de provaler ensemble avec nous. Vraiment goût. Vous mettez fel ou à bonne nouvelle. Après, on va appeler là, il est bien crémeux. Ça, c'est fromage là qui fait comme ça. Et puis, nous avons espace ça là, il va gagner un peu d'huile. Et ça fait moi pas mettre un peu d'huile là, parce que nous connaissons un fromage à l'huile riche en huile tout. C'est gens qui nous ont là. Vraiment goût mes chéris, senti bon passé là, pas gain. C'est gens que nous là, nous mettre faire en recette là et puis n'a capable venir dire moi comment que nous joindre résultat. N'a capable ouais mes chéris dans une autre vidéo à la prochaine.
Les gens qui nous aident là. Bien, bien, vous, mes chéris. Ciao, ciao.